Oui, je me souviens d'une expérience qui m'a marqué il y a quelques années. J'étais en tournée avec une troupe qui s'appelait le Styx. C'était de la danse théâtre baroque. Et on s'est retrouvés en Belgique, à Bruxelles. Et on fait les répétitions. C'était à l'église qui s'appelait les Brigitines, dans la région de la Gare. Puis après les répétitions, j'avais un peu de temps pour me balader. Et je me suis retrouvé dans une rue, le quartier des Marolles, je crois. Rue des Minimes, je dirais. Et c'était un endroit où il y avait pas mal de magasins énormes d'antiquités, sur plusieurs étages, des centaines de mètres carrés. Et j'ai passé 2-3 heures là-dedans, déambuler, retrouver des traces anciennes des colonies du Congo, avec des masques qui étaient cachés, certains étaient mis en évidence, là on sentait pas grand-chose. Puis il y avait d'autres moments où j'étais imprégné d'énergie, était assez forte. Et puis voilà, je passe du temps là-dedans, et je me retrouve à l'hôtel le soir, et je m'endors. Et durant la nuit, je suis réveillé par des sons assez puissants. C'est des percussions. Douloum, 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 douloum. Vraiment des percussions très fortes. Et il y avait une lumière verte autour de moi. C'était assez étonnant. Et d'un seul coup, j'entends comme des voix qui me disaient viens, c'est maintenant que ça se passe. Et viens avec nous. Par-dessus les percussions, douloum, douloum, douloum. Et je me retrouve embarqué dans un tapis de musique. C'était comme si je surfais sur une vague de musique, de percussions. Et je me rappelle avoir une impression d'être au-dessus de la terre, de voler sur ce tapis. Et je vois, c'est super, je vais vivre une expérience incroyable. Et c'était très amical. Il y avait la puissance de la forêt qui m'appelait. Et pour moi, c'était clair, j'allais au Congo, dans la forêt, rejoindre des esprits. Et j'étais vraiment bien sur ce tapis. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, mais attends, j'ai répé demain à 9 h, je peux pas y aller, quoi. Et oh, je m'excuse, l'esprit, il faut que je retourne pour bosser, à mon grand regret, quoi. Et je me suis réveillé, et voilà, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Et il y avait la télé qui t'allumait, il y avait une lumière verte qui sortait de la télé. Et ça s'est fini comme ça. Et je me dis, tiens, si j'étais parti dans cette aventure, je sais pas si je serais revenu en fait.